Coëm, le 5 août 1879. Cher Théo, je t'écris en toute hâte. J'habite pour le moment à Coëm, près de Mons, au Marais. La contrée est typique et pittoresque. Tout y parle, pour ainsi dire, et témoigne d'un caractère propre. Il y a partout à la ronde des cheminées gigantesques et d'énormes tas de charbon à l'entrée des mines, appelés charbonnage. La plupart des ouvriers sont maigres et pâles de fièvre. Ils ont l'air épuisés et vieillis avant l'âge. J'essaierai tantôt d'en faire un croquis, afin que tu puisses avoir une idée. Je dessine souvent tard dans la nuit pour fixer quelques souvenirs et consolider les idées que me suggère la vue des choses. Mais le temps me manque, mon vieux. Si tu vas à Paris, passe par le Borinage. Ici vécu Vincent Van Gogh. À sa demande, il vint au Borinage comme aide-prédicateur et s'installa d'abord à Wam. Il partage la dure condition des mineurs car il est partisan d'un apostolat direct, mais ses supérieurs le jugent trop zélé et le déchargent de ses fonctions. Désorienté, désemparé, Vincent est recueilli à Coëm par les De Cruc. À quoi pourrais-je être bon? Ne pourrais-je pas servir et être utile, en quelque sorte? Si je ne fais rien, si je n'étudie pas, si je ne cherche plus, alors je suis perdu. Alors malheur à moi. Continuez, continuez, voilà ce qui est nécessaire. Il y a quelque chose au-dedans de moi. Qu'est-ce que c'est donc? Quand je compare les variations du temps aux variations de notre état d'âme et de nos conditions de vie, je garde un peu d'espoir. Cela finira peut-être mieux que nous ne le pensons. Angoissé par l'échec de sa tentative mystique, dans la misère et le désarroi moral, Vincent se cherche. Il se remet au dessin. août 1880. Cher Théo, tu dois savoir que je suis en train de griffonner de grands dessins d'après Millet et que j'ai fait les heures de la journée ainsi que le semeur. Je t'écris en train de dessiner et je suis pressé de m'y remettre. J'ai griffonné un dessin qui représente des charbonniers, sclonneurs et sclonneuses, allant à la fosse le matin, dans la neige, sur un sentier, le long d'une haie d'épines, des ombres qui passent, vaguement discernables. Je t'envoie le croquis pour que tu puisses te le représenter. Tu vois, je suis acharné au travail, mais pour le moment, cela ne donne pas de résultats fort réjouissants. Mais j'ai l'espérance que ces épines porteront fleurs blanches à leur heure et que cette lutte, en apparence stérile, n'est autre chose qu'un travail d'enfantement. La douleur d'abord, puis la joie après. Quelques croûtes de pain gagnées ça et là en échange de quelques dessins et l'aide de son frère Théo sont ses seules ressources. Vincent vit pauvrement en rêvant à l'avenir. Je ne gagne pas un sou. Et quoique je travaille dur, il faudra encore du temps pour arriver au niveau de pouvoir penser à choses pareilles que serait celle de venir à Paris. Toutefois est-il que je ne saurais plus continuer beaucoup plus longtemps,
Dans la petite chambre où je suis maintenant, elle est déjà trop petite. Mais il y a deux lits, celui des enfants et le mien. Je ne veux pas gêner ces gens. Sa décision est prise. Une page sera bientôt tournée sur cette période décisive de sa vie. Je ne saurais te dire combien je suis heureux d'avoir repris le dessin. J'ai retrouvé mon calme d'esprit et l'énergie me revient de jour en jour. Il s'agit pour moi d'apprendre à bien dessiner, à être maître soit de mon crayon, soit de mon fusain, soit de mon pinceau. Le chemin est étroit, la porte est étroite, et il y en a peu qui la trouvent. Octobre 1880, il part. Je crois que j'ai tout enduré durant ces deux années passées dans le borinage. Ce ne fut pas un séjour d'agrément. Grâce à la volonté tenace de quelques téméraires, cette maison fut sauvée. C'est ici que Vincent prit son envol vers le destin tragique qui fut le sien, mais qui donna au monde un de ses peintres les plus prestigieux. J'aime tellement ce triste pays du borinage qui toujours me sera inoubliable.